Alors, l'autre jour, je discutais avec Christophe dans un café philo au McDo, et il m'a dit, ah oui, il y a un cycle de 7 ans. Mais ça ne veut rien dire. Parler d'une période de 7 ans, ça ne veut rien dire si on ne la compare pas avec d'autres périodes de 7 ans. Un cycle, le mot cycle veut dire un retour, quelque chose qui revient. Donc, parler d'un intervalle en qualifiant cet intervalle de cycle ne veut rien dire, puisqu'il s'agit de montrer que des choses reviennent. Une période, c'est pas quelque chose d'isolé, c'est quelque chose qui revient, qui est périodique. Périodique, ça veut dire qui revient de temps en temps, qui est saisonnier, si on préfère. Donc, il faut faire attention au mot cycle. C'est un cycle, ça veut dire quelque chose qui revient, qui est récurrent. L'intérêt des cycles, c'est que ça permet de comparer des périodes différentes dans le temps et dans l'espace. Et ça permet d'uniformiser la perception du monde au lieu de la parcelliser et de couper les choses en quatre.